Alors, après la photo de l'embrayage déposé avec les différentes vis en T40, c'est du T40 pour la fixation de l'embrayage, nous avons ici le volant moteur. Le volant moteur comporte ici un trou diamètre 15 mm dans lequel je vais placer un axe me permettant ensuite de mettre le disque d'embrayage neuf avant de fixer le mécanisme. Si on ne met pas ce centreur, au moment où on va placer le disque d'embrayage, il risque d'être un petit peu décalé verticalement comme ça. Et lorsqu'on va assembler la boîte de vitesse à sa position, l'axe cannelé de l'arbre primaire va pas être en face du disque d'embrayage. D'où le but, d'où l'intérêt d'avoir un axe du bon diamètre au bon diamètre pour assurer ce centrage. Donc montage du disque. Hop. Voilà. Donc là le disque est centré. On amène le mécanisme par-dessus et on visse. Montez. On pourra faire une petite photo, mais enfin, il n'y a rien de transcendant en termes d'informations. Donc là, j'ai la nouvelle butée toute neuve qui ira. Là, ça fait des petits clips comme cela pour pouvoir être commandé. Voilà, clic. Ce qui fait que si je commande avec la fourchette qui est là, ça coulisse parfaitement.